Avec ce que j'ai trouvé d'entrée de jeu, je pense que j'ai baisé le game. Là, j'y vais détendu du cible dans ce vide-grenier. C'est bon, c'est dans la poche. Petit moment sympa, il y a une femme, elle veut vendre des objets à deux types, mais c'est les deux types du genre, tu leur dis que ça coûte 50 centimes, ils vont te dire allez je te prends à 5 centimes, il y a un ton agressif, et ils parlaient pas français entre eux exprès, et elle a dit ah mais je comprends ce que vous dites, je suis pas conne et tout, et puis après ils se sont engueulés parce que le mec a fait tomber l'objet en question, c'est un objet de merde, hein. Et il l'a fait tomber, donc elle a commencé à gueuler, à surjouer, bref. Et je suis parti. Et en revenant, après, qu'est-ce que je vois? Qu'elle discute avec eux comme si c'était ses potes de 50 ans. Et elle va pour leur faire un check. Et le mec, il lui a mis un vent. C'était impressionnant. J'ai pas filmé. Et au moins 3 ou 4 fois, elle lui remettait la main, disait check, check. Et le mec, il en avait rien à foutre. Il parlait à son copain. Du coup, coucou mes chéris. Allo, c'est Barbie chez Tiffel à Paris. On se retrouve pour ce compte-rendu du vide-grenier du dimanche 8 ou 9 avril. Donc cette fois-ci, c'est les vacances, je me suis levé à 6h41, j'ai bien fait, et j'étais pas bon, spécialement fatigué. Et je suis arrivé sur place vers 8h30, j'ai bien fait parce que donc, je marche, et au fond, ah oui, au début, il y a deux mecs, quand j'arrive, qui sont en train de regarder une PS de Fat, et donc du coup, je sais que c'est deux mecs qui cherchent les deux jeux vidéo, et donc vite, je suis passé, c'était en début de vide-grenier, j'y arrive. Et donc je me suis passé devant eux, parce que pendant qu'ils discutaient, je me suis dit ben, je vais avoir 20 secondes d'avance sur eux, comme ça je vais pouvoir voir avant eux toutes les bonnes affaires. Et bien entendu j'ai bien fait, puisqu'à un moment donné vers la fin, pas vers la fin mais vers le milieu, je vois au fond ça qui est posé. Et je vois une jeune fille, alors comme c'était au fond du stand, je me suis dit tant c'est quelqu'un qui l'a déjà réservé, j'ai quand même demandé. Et je demande c'est quoi le prix, et là il y a la fille, elle dit je vais demander à Popo, et Popo il a dit 1 euro. Je me suis dit, putain, l'affaire du, pas l'affaire du siècle, mais bon. Sauf qu'en dessous, il y avait une boîte. Et en dessous de la boîte, il y avait marqué « jeu ». Alors j'ai dit « ok, moi ça me va ». En principe, c'est le daron qui décide, hein, et on donne un prix. Bref, la mère, elle a dit « mais non, c'est pas ce prix-là, ça va pas. C'est au moins 5 euros, je sais pas quoi ». Alors j'ai dit « 10 euros le lot, ça vous va ?» Elle m'a dit « oui ». Donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Moi-même, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc 10 euros, ça... Donc bien entendu nous avons les manettes, alors bien sûr c'est jauni et tout, nous avons les manettes, nous avons le plus important le câble Péritel et le plus important ceci qui je vous le rappelle une fois j'ai réussi à en trouver un à 50 centimes et je l'ai revendu 14 euros. Donc maintenant je vais voir les jeux, pour 10 euros j'ai, voilà merci, en loose bien entendu vous voyez, et yeah. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je découvre Aladdin, voilà, celui-là je l'ai revendu complet l'autre fois. Attention, prenez ça dans votre gueule. Voilà, bon je l'ai déjà complet avec la carte, hein, mais bon.
après Tintin au Tibet, version belge ou suisse, je sais pas. Ensuite, je l'ai ce jeu complet, donc je vais pouvoir le revendre et garder que ce truc là. Ensuite, très très bien, merci. Je l'ai déjà complet. Je l'ai aussi en cartouche en loose qui ne marche plus. Donc là, hop, et attention, youhou, celui que je voulais aussi, mais je l'ai en version japonaise, je suis con. J'ai Street Fighter 2 et Turbo en truc. Donc voilà, 10 euros tout ça. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'aurais pu être salaud et proposer 5 euros ou 6 euros, mais bon. Là, ça fait tellement de mois que je trouve plus rien en cas en rétro. Donc là, je pense que c'est bon, quoi. On est bon pour 2017. J'ai gagné ma journée. Et du coup, les deux petits mecs et les autres revendeurs que d'habitude, gens qui veulent se garer, qui attendent que je les regarde, mais je les regarde pas. Donc ils peuvent tourner en rond, klaxonner. Et on termine à la fin. En fait, j'ai trouvé ceci. Donc là, le mec, il va pouvoir klaxonner. Il y a plein de comment ça s'appelle, si j'y arrive. Ah ben non, c'est bon, il s'est garé. Et au final, on tombe sur ça. Alors ça, je l'ai acheté parce que j'étais en confiance avec l'achat précédent, mais je pense que j'ai pas bien fait. C'est sûrement une Famiclone. Tout maintenant dépend le nombre de jeux qu'il y aura. Une Famiclone, on la reconnaît à quoi? C'est une manette seule qui a, ou pas, qui a en tout cas des sorties vidéo et des piles. Soit adaptateur secteur, donc là, Tekken Game. Il y aura, alors ça dépend parce que je pense que je l'ai vu quelque part ça, dans une boîte, et en fait il n'y a que 5 jeux de sport de merde. Et c'est pas du tout côté Famicom quoi. C'est des nouveaux jeux à la cour mal fait. Donc peut-être 50 centimes ça va, mais 1 euro finalement, j'aurais peut-être pas dû acheter ça. C'est peut-être l'achat de trop. J'étais trop en confiance. Mais voilà, sur ce, j'ai pas grand chose à dire. Je vous ai mis, essayé de vous filmer le maximum tous les jeux que j'ai pu trouver dans ce vide-grenier, tous les spots que j'ai bien sûr pas pris parce que j'ai même pas demandé, je n'avais rien à foutre. Et ciao Pépito, et à plus mes puces. Donc même en 2017, on peut se lever à 6h41, y aller à l'arrache pendant un an, et puis un jour ça a fini par payer. Bon, j'espère que la console va marcher, mais bon, tant pis, si elle marche pas, je peux toujours la revendre en me faisant une marge et en disant qu'elle est vendue pour pièces. Voilà, soyons cyniques, parce que le monde des bisounours, c'est vraiment pas bien. Donc, si on reproche aux gens d'être dans le monde de bisounours, on va ensuite leur reprocher d'être cynique. Donc, allons jusqu'au bout. Je peux revendre la manette seule, l'adaptateur secteur seul, et je peux me rembourser. Voilà, je pense que ça vous fera plaisir. Instant de vérité, alors. Source. Ça devrait marcher pourtant. Voilà. C'est tout bénef, alors. Fox, Mars, Anubis. Nickel, nickel. Bon, en plus, ça marche toujours, la pile de sauvegarde. Bon, ben voilà, c'est ciao, Pépito.